c'est Simon Malvaux, j'ai 25 ans, je suis bio-ingénieur de formation et j'ai commencé le projet Zafi Cycles il y a maintenant presque 2 ans. C'est à ce moment-là que j'ai créé les premiers prototypes. Et puis depuis lors, l'équipe s'est agrandie. Il y a Loïc et Johan qui m'ont rejoint. Donc Zafi Cycles, on construit des vélos en bois à base en fait, de bois en fait, qu'on va chercher dans la forêt de Soignes. C'est du frêne et du noyer. Et on propose comme ça un vélo dont le cadre est totalement fait en Belgique de A à Z. Un vélo en bois, c'est assez complexe à produire, donc tout le processus de fabrication est assez long. Donc on essaye de combiner un maximum la technologie qui est à disposition et l'artisanat. Donc la technologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dessiner les vélos sur des programmes 3D. C'est une machine numérique qui vient découper les vélos. À côté de ça, il y a tout un process artisanal en fait, qui est la sélection des planches, la finition, etc. Qu'on réalise ici dans nos ateliers. Ah ouais. Alors moi c'est Loïc Houter, j'ai 27 ans et je rejoins Simon Malvaux qui a initié ce projet de vélo en bois. On a envie de pouvoir faciliter et d'encourager la mobilité douce, donc de mettre plus de vélos sur le marché et donner envie aux gens de rouler à vélo. Et généralement les cadres sont faits en aluminium, en acier, en carbone, mais c'est tous des matériaux qui demandent beaucoup d'énergie pour être extraits et transportés. Ici, on va travailler avec le bois, qui est une source renouvelable. Et on se fournit ici à côté, à la forêt de Soignes, à la Soignan Woodcope. Le bois fait très peu de transport et on va pouvoir l'utiliser directement. On veut être cohérent sur toute la ligne, tant des transports des matériaux que les fournisseurs chez qui on va acheter les matériaux. Tout ce qui est dérailleur et sel, tube de sel, cintre, on va essayer de se fournir chez des fournisseurs européens. Pour parler de quelques chiffres, on a l'objectif de vendre à terme 250 vélos par an. Sur la première année, on sera plutôt à 50 et deuxième année, 200. Nous, on a envie de créer une chaîne de valeur à plusieurs niveaux et vraiment s'inclure dans l'économie circulaire en créant de l'emploi pour le scieur, le bûcheron, le revendeur de bois, mais aussi pour les revendeurs de vélos par la suite. On a également envie de s'inscrire dans l'économie de la fonctionnalité en proposant nos vélos en leasing par la suite. Nous, on crée déjà notre propre emploi et à terme, on aimerait agrandir l'équipe pour pouvoir travailler à plusieurs sur ce projet.